Coucou! Et voilà, nous voilà au 1er décembre. Donc, on va faire le Daily December. Enfin, je l'ai déjà fait, je vais juste vous le présenter. Et je vais aussi ouvrir mon calendrier de l'Avent de chez... J'ai un trou. De chez... FDECO, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Donc, aujourd'hui, 1er décembre, donc, on a sorti le petit pull moche. Hein, j'aime bien sortir mes petits pulls. Moi, je les appelle les pulls moches pour Noël. C'est mon petit kiff. Donc, voilà. Donc, je vous présente tout de suite ma page, ma première page de mon Daily December. Donc, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, la couverture que je n'ai pas encore décorée, puisque je le ferai... certainement à la fin. Donc il se présente comme ceci à l'intérieur. Je n'ai pas fait mes trous pour passer ma reliure. Je vais vraiment attendre qu'il soit complet pour pouvoir le faire. Donc première page de mon Daily December, elle se présente comme ceci. Je vais enlever ça. Ça c'est mon deuxième. Du coup il y aura deux livrets. Donc, ça se passe avec Véro Rêve. Je vais juste vérifier. C'est, ouais, Véro Rêve sur YouTube. Donc, c'est ma première. Donc, voilà tout ce qu'elle m'avait envoyé. Son ATC est ici. Alors, si vous vous rappelez bien, avec son envoi, elle m'avait mis papier, enfin, papier, une sorte d'acétate comme ça, transparent. Du coup, bah, je m'en suis servi, bien évidemment. J'ai pu coller dessus son ATC. Et comme ça, quand je lève, je sais à qui ça appartient, puisque tout est marqué derrière. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai juste rajouté, donc tout ça vient de Véro Rêve. J'ai juste rajouté ça, cette découpe-là, que j'ai eue l'année dernière aussi pour mon Daily December. Et j'ai rajouté ici du washi. Donc, voilà. Ça, c'est la première page de mon Daily December. Je suis ravie, 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 ravie. Et ici, du coup, j'ai mis un petit autocollant que j'avais eu, enfin, que j'ai acheté au Lidl. Il faisait des petits autocollants, voilà, des petits autocollants Noël. Donc, du coup, je vais me servir de cette planche-ci pour faire mon Daily December. Voilà, et je vous montre aussi, vous voyez, tout ça. C'est ce que j'avais eu l'année dernière en autocollant, en sticker, pardon, en découpe, en tamponnage. Donc ça, je vais essayer d'utiliser dans le Daily December. Donc voilà. Donc première page de Véro Rêve. Voilà. Donc voilà, j'ai tout vraiment tout utilisé, tout ce qu'elle m'a envoyé. Je n'ai plus rien. Il me reste juste un petit morceau de transparent que je vais certainement utiliser. Une prochaine. Donc voilà, première page de fête. Et en même temps, du coup, moi je vais ouvrir mon calendrier donc de chez FDECO. Donc le numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Nous avons du Magic Paint. Alors, c'est Ashi Pink. Donc celui-là, je crois que je l'ai déjà. À vérifier, mais voilà, donc ça c'est un peu comme les, c'est de la poudre en fait, on met un peu d'eau et ça réagit et ça fait de super belles couleurs. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo du 1er décembre. On se retrouve le 2 pour le Daily December jour numéro 2 et l'ouverture de mon calendrier de chez FDECO. Voilà, bonne journée à vous, à bientôt!